nous allons encore faire la prière que nous avons faite ce matin. Alors que nous nous sommes consacrés à Dieu, alors que nous consacrons nos cœurs, je vous assure que Dieu va nous donner le meilleur de ce qu'il y a dans cette vie sur la terre. Dieu va nous donner le meilleur. C'est pour cela que nous allons prier maintenant. Nous allons dire, Père, fais-moi accéder au meilleur que tu as pour moi dans cette vie par le Saint-Esprit. Le meilleur peut être la santé que tu cherches. Le meilleur peut être le mariage que tu cherches. Le meilleur peut être la bénédiction que tu cherches. Le meilleur peut être tout genre de choses que tu cherches. Je t'assure, bien-aimé, alors que tu t'es consacré à Dieu, il est temps maintenant que tu demandes. Il a dit, demandez vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Alléluia. Il a encore dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Alléluia. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, alors que nous nous sommes consacrés tout à l'heure, nous avons cherché le royaume. Maintenant, tu peux demander. L'heure est là. Le Saint-Esprit est là. Je sens sa présence. Tu vas demander ce que tu ressens dans ton cœur. La chose que tu as besoin que le Seigneur puisse faire pour toi. Il est temps maintenant que tu puisses saisir ce miracle et que tu puisses le demander. Saint-Esprit, tu vas dire, Père, fais-moi accéder au meilleur que tu as pour moi dans cette vie, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, Saint-Esprit, alléluia. Père, nous venons devant toi. Nous venons devant toi encore te demander, Seigneur. Alléluia. Fais-moi accéder au meilleur que tu as pour moi dans cette vie. Fais-moi accéder, Seigneur, aux bénédictions que tu as réservées pour moi. Fais-moi accéder, Seigneur, aux portes de bénédiction que tu as préparées pour moi. Dans le nom de Jésus. Seigneur, transforme ma vie. Change ma vie. Enlève les pleurs, Seigneur, et que la joie puisse maintenant venir. Tu as dit, Seigneur, ceux qui sèment avec larmes récolteront avec un cri de joie. Seigneur, je te prie maintenant, je te prie que, Seigneur, ta paix soit mon partage. Je te prie que tes bénédictions soient mon partage. Je te prie que les portes s'ouvrent devant moi. Seigneur, que toutes les portes qui étaient fermées devant moi puissent s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que les portes qui étaient fermées devant moi puissent s'ouvrir au nom de Jésus. Seigneur, je veux toucher à la bénédiction de ma vie. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, fais-moi accéder à la bénédiction de ma vie. Fais-moi accéder à la bénédiction, à la bénédiction. Que ta bénédiction, Seigneur, puisse venir jusqu'à moi. Dans le nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir dans ma vie. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir dans la vie d'une personne maintenant. Ouvre les écluses des cieux et fais pleuvoir dans la vie de mes sœurs maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Règne Seigneur, fais pleuvoir, bien-aimé. Demande la pluie dans ta maison. Demande la pluie dans ta maison. La pluie de la bénédiction. La pluie de l'arrière-saison. La pluie de la bénédiction. Demande, alléluia, le Saint-Esprit est là. Demande la pluie de la bénédiction dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous demandons la pluie de la bénédiction. Fais pleuvoir dans nos vies. Fais pleuvoir dans nos vies. Fais pleuvoir là où une personne attend le mariage. Fais pleuvoir. Ouvre les portes du mariage. Je le déclare et le prophétise maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi qui attends un mariage, je déclare maintenant ce soir et je prophétise que les portes du mariage s'ouvrent sur toi dans le nom de Jésus. Là où tu es, tu dis seulement amen. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, toi qui as longtemps traîné dans le célibat, toi qui as longtemps traîné dans la solitude, maintenant l'heure de ta joie est arrivée. La Bible déclare que ceux qui sèment avec larmes récoltent avec cris de joie. Alors que tu as trop sémé, tu as trop cherché, tu as trop pleuré, maintenant tu vas récolter avec cris de joie. Tu vas récolter ton mariage dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je déclare maintenant et je prophétise que Dieu emmène vers toi l'homme de ta vie dans le nom de Jésus. Quel que soit là où il se trouve, je l'appelle du nord, je l'appelle du sud, je l'appelle de l'est et je l'appelle de l'ouest. Et je dis que cet homme vient vers toi dans le nom puissant de Jésus.